Au temps du Premier ministre, Daniel Balaban a marqué l'engagement du Brésil à son pays à aider la Côte d'Ivoire à construire une politique d'alimentation et de nutrition en scolaire. Une réponse à la demande formulée au Brésil en octobre 2013 par la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara. Le Centre d'excellence contre la faim du Brésil que dirige Daniel Silva Balaban apportera aussi son soutien à la Côte d'Ivoire dans la lutte contre la faim. L'idée est continuer la solidarité et le travail conjoint avec le gouvernement de Côte d'Ivoire pour construire cette politique de combat à la faim et la pauvreté au Côte d'Ivoire. Également déterminés à soutenir l'émergence de la Côte d'Ivoire, les hommes d'affaires tunisiens ont échangé avec le Premier ministre Daniel Kablan d'un camp. Présent en Côte d'Ivoire dans le cadre du tout dernier salon du bâtiment, ils se sont dit prêts à investir dans le secteur des logements sociaux. On est prêt à avoir minimum 10 000 logements pour commencer. Et comme les Tunisiens préfèrent aussi avoir de différents niveaux, enfin, on ne veut pas se limiter aux logements sociaux, mais on veut participer aussi aux logements économiques, aux logements de plus haut standing. Plus tôt dans la journée, le chef du gouvernement a eu des audiences avec Simon Ouattara et Fernando de Souza du groupe Microsoft, également avec Wanga Jian du groupe chinois Sinopec et Mehmet Nazif du groupe turc MNG. Ils ont tous exprimé leur volonté d'accompagner la relance du pays.